Bon bah les gars, j'espère que ça va. Là on continue encore une autre écoute, là cette fois-ci avec les Warfedal Diamond 250. Donc celle-là, je vous les ai pas encore présentées, chose que je ferai un petit peu plus tard. Mais là j'en profite donc pour faire quelques petites vidéos avec du son. Et vous allez voir que les Warfedal, elles en ont sous le capot. Mais tout en étant... En fait je trouve que c'est des enceintes qui sont plutôt douces, elles sont assez neutres. Et puis, voilà, elles ont pas, je les trouve pas, je trouve qu'elles n'ont pas spécialement de défauts, ces enceintes-là. Je les apprécie vraiment, franchement, à leur juste valeur. En plus, niveau rapport qualité-prix, j'avoue que là, ils ont fait fort chez Warfedal. J'aime beaucoup ces enceintes-là. Et après, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, de toute façon, je vous les présenterai un peu plus tard. Mais là, on va se faire quelques écoutes et vous allez voir que c'est du très 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 bon. Là, avec cette première musique où il y a de la voix, vous allez voir. What have I gotta do to make you love me? What have I gotta do to make you care? What do I do when lightning strikes me? And I wake to find that you're not there. What have I gotta do to make you want me? What have I gotta do to be heard? What do I say when it's all over? And sorry seems to be the hardest word. It's sad, so sad. It's a sad, sad situation. And it's getting more and more absurd. It's sad, so sad. Why can't we talk it over? Oh, it seems to me, sorry seems to be the hardest word. It's a sad, sad situation, and it's getting more and more absurd. C'est, je sais pas si, enfin moi derrière le micro, je peux vous dire que c'est très très frissonnant. Ces enceintes-là, elles ont vraiment une qualité, une très très belle qualité. Je les kiffe aussi ces enceintes-là. Elles sont super, elles sont super. Je vous les montre quand même, parce que pour la première écoute avec les Warfedal, tu vois, avec une finition vinyle. Bon, ben, c'est du vinyle, mais en tout cas, il est très beau avec la petite face avant laquée et les vents qui je le rappelle, il est en bas, il est situé ici entre la plinthe et l'enceinte. Donc ça nous permet d'avoir vraiment un beau grave. Ces enceintes-là sont, je vous dis, vraiment top. Vraiment. Je les apprécie énormément. Et on fait toujours les écoutes, comme vous pouvez le voir, avec l'ampli de puissance Luxman, qui est relié directement au DAC, DAC Magic 100. Voilà, maintenant je vous fais les vidéos comme ça, c'est plus simple. Et ça met, comme je vous ai dit, il y a moins de coloration que si l'on met un pré-ampli derrière. Même si là, il y en a un petit peu quand même, c'est sûr. Mais en tout cas, ça révèle vraiment
les qualités acoustiques de l'enceinte, et on voit un peu qu'est-ce qu'il en ressort, et surtout sur les, là sur les Warfedal, vraiment c'est super, super.